Quelques jours seulement après la relâche, les élèves, les enseignants, les chantiers, puis tout le Québec fait relâche. Des mots de vocabulaire font leur apparition. Pandémie, COVID, confinement et distanciation. Puis l'école à la maison s'installe à la cuisine et même au salon. Des rendez-vous, des coucous, des rencontres virtuelles. Dans nos maisons apparaissent alors des arcs-en-ciel. Merci à nos parents, partenaires essentiels. Merci à nos élèves, complices fidèles. En classe ou à la maison, ayons confiance, car ça va bien aller. Oui, ça va bien aller, au-delà des doutes et des incertitudes. Et si une façon de bien aller, c'était de continuer? Et si apprendre était une manière de continuer? Continuer dans l'action, continuer par la chanson. Voici, en mots et en musique, le sens donné par nos élèves au mot « continuer ».
la pluie et les inconvénients. Prudent, patient, apprends. Pour vrai, vraiment, pour l'avenir et pour nos grands-parents. Ça va bien aller.